Alors, c'est à peu près ça, parce qu'en fait, Alison m'a demandé de me passer deux commandes. Pourquoi le pragmatisme? Mais en fait, comme plusieurs d'entre vous ne connaissez pas le pragmatisme, ou pas vous dans plus de détails, c'est aussi, c'est quoi le pragmatisme? Alors, on va essayer, en fait, je vais essayer de répondre à ces deux commandes-là, sans inclure tous les autres conférenciers par la suite, parce que vous êtes convaincus d'être pragmatistes. Mais moi, je pense que vous l'êtes malgré vous. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans la présentation. J'avais une trentaine de minutes en principe. On va quand même essayer de ne pas trop prendre de retard. Je vais essayer de faire ça top chrono, jusqu'au bout de l'heure de l'arbre. Top chrono en une vingtaine de minutes pour 12 diapos, à peu près. Alors, le plan de marche que je me suis donné, encore là, vous excuserez des fois des raccourcis que je prends, j'essaie d'en prendre le moins possible, pour vous donner. Pour vous passer, vous expliquer, en fait, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce qu'effectivement, les uns l'ont dit, on n'invente pas la roue. Georges, vous passez par là, il y a de cela bien des années, sans vouloir le vieillir. Excusez-moi, Georges, je te vois pas, là. OK, d'accord, vous avez le mot feu, évidemment. Mais rassure-toi, Georges, il y en a qui sont passés avant toi, c'est encore plus vieux à ce gars-là. Tu sais que nous, les philosophes, on s'en fout de l'âge, on travaille avec Platon, Aristote, tout le reste. De toute façon, il s'agit d'essayer de voir un peu comment on peut le réinventer, comment on peut de réfléchir ce pragmatisme dans un contexte actuel. Pourquoi c'est important, vous excuserez cette longue introduction avant même d'arriver au truc, après ça, ça va débouler. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là avec le pragmatisme et qu'est-ce que ça nous dit en fait? Hier, il y a une question qui était posée, est-ce que dans l'éthique, ou l'éthique appliquée, a besoin d'avoir un ancrage philosophique? Là, il y avait un débat, la sociologue, l'autre. Moi, je suis un peu un hybride aussi. On est chacun des hybrides dans notre manière. C'est sans doute ce qui fait la richesse de nos programmes, parce qu'il y a beaucoup d'hybrides comme dans les profs. Je pense que vous le savez tous, je suis un avocat de formation, un défroqué, j'essaie de m'assumer. J'ai travaillé beaucoup avec des sociologues, c'est pour ça que je trouve toujours plaisant de travailler avec. Donc, j'ai revisité les corpus sociologiques au cours de mes travaux avec les économistes. Bref, je me suis beaucoup promené et j'en démarre pas. Il me semble que la philosophie doit être cet ancrage-là au niveau éthique. Mais ça nous pose un sacré problème, parce que si on veut un discours ouvert, pourquoi la philosophie devrait-elle avoir la primauté dans la réflexion sur l'éthique? Ben, moi, ma réponse, c'est dans la mesure où on a une méthodologie ouverte, on peut, et qui respecte ce qui additionne les forces, qui construit la réflexion autour d'un ensemble de disciplines, c'est jouable. Mais, je vais parler contre la gamme, il n'est pas plus sectaire qu'un philosophe en général. Alors, les philosophes en général, ils aiment bien construire des idées, on va y revenir, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont toujours le souci de les faire atterrir dans le vrai monde, dans le monde réel. Alors, encore, il faut essayer de trouver une méthodologie, une méthode, qui nous permet cet atterrissage-là. Et je ne pense pas pour rien que Georges, il y a de plusieurs années, est allé visiter le pragmatisme. Pour ma part, ma formation en philosophie, ce qui est peut-être un peu moins suisse, c'est faite d'un épistémologue. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la connaissance? Je suis allé visiter la science économique pour vérifier ça. Je suis allé vérifier un certain nombre de disciplines. Et quand je suis arrivé en éthique, je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Puis sur quelle base on peut le dire pour que ce soit assez solide? Et encore là, le pragmatisme nous donne de belles perspectives de réponse parce que c'est un programme ouvert. Certains diraient que c'est un bar open, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est un programme ouvert qui contrôle les dérapages. On va dire ça comme ça, sur le plan épistémologique. Alors, il y a une très grande richesse à aller voir de ce côté-là. Alors, j'essaie de vous en convaincre en vous l'expliquant dans les prochaines minutes, pour que vous compreniez un peu plus pourquoi, à défaut de parler pour tous mes collègues, plusieurs d'entre nous, à défaut d'être des pragmatistes, croyons que c'est intéressant d'inscrire le programme dans une perspective pragmatiste. Parce qu'encore là, il faut faire attention. Moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés à me faire présenter comme un pragmatiste. Je récuse toutes les religions et toutes les idéologies. Pour moi, une théorie est intéressante dans la mesure où elle me donne un gain conceptuel, et encore mieux, puis ça aussi c'est intéressant pour le pragmatisme, dans la mesure où elle me permet d'avoir un gain pour ma société, c'est-à-dire d'être à la fois un intervenant social. Et encore là, c'est intéressant pour le pragmatisme parce qu'il est à cheval sur tout. Il y a une espèce d'ouverture qui nous permet
de pouvoir décliner les programmes, comme Georges le disait hier, dans une logique de compétence, dans une logique d'intervention, dans une logique d'analyse. Dans cette perspective-là, il y a comme une espèce de nœud sur lequel est construit le pragmatisme et, modestement, je pense qu'il nous permet de les dénouer sans jamais arrêter le débat. Alors, on va essayer de remettre ça en place avec ces quelques préliminaires pour dire, avec le plan de match que vous voyez apparaître là, à savoir quelques problèmes démocratiques, parce que l'éthique a d'abord une fonction de répondre à des problèmes démocratiques. Qu'est-ce que la question éthique? Comment la formule de la question éthique? Pourquoi il y a un cul-de-sac théorique? Et quelle est l'impasse de la philosophie aujourd'hui pour répondre à ces questions-là? Et ensuite, décliner à propos de la proposition pragmatiste. Là, c'est 8 étapes, 12 diagos qui s'en viennent. Alors, il faudrait compter à savoir si je suis dans mon temps ou à peu près. Pour pouvoir le faire. Donc, la proposition pragmatique, je l'ai présentée très brièvement, en fait, de façon quasi caricaturale. Son intérêt, ses défis, parce que pour moi, il n'y a pas une posture ou une théorie qui est en soi sans défi. Et en quoi elle peut nous permettre de construire un programme de recherche et en quoi elle peut devenir une méthode d'enquête et d'intervention sur notre société. Parce que comme éthicien, on se fait souvent poser la question, oui, vous êtes très bon pour donner des leçons, théoriser. Comment vous faites atterrir ça dans la pratique? Bien, je pense qu'encore là, on a une clé. Alors, c'est un peu le plan de match que je vous propose de suivre. On va essayer de respecter le délai. Les problèmes démocratiques. En fait, on peut parler des problèmes démocratiques de bien des manières. Mais j'ai essayé de les définir en quatre étages. Au niveau des problèmes démocratiques, je pense qu'on va tous reconnaître qu'actuellement, on a un problème civique. Vous pouvez développer le civisme comme vous voulez. On va essayer de résumer en disant la difficulté de réconcilier différentes manières de vivre dans un contexte de pluralisme social. Quand on parle de pluralisme social, là on peut le décliner de bien des manières, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'évaluer, de vivre ensemble, puis la légitimité de nos comportements dans la sphère publique. Donc il y a un choc des morales, un choc des éthiques, un choc des manières d'envisager la vie dans l'espace public. Il y a un problème professionnel, on l'a vu avec la commission Charbonneau, on ne cesse de le voir avec les corporations professionnelles, avec les ordres professionnels. Le professionnel se pense malheureusement souvent, comme plusieurs d'entre nous, comme des techniciens. Alors comment on forme ces professionnels-là, et comment on les convainc en fait, en quelque sorte, d'avoir cet espace d'autonomie. Il y a un problème institutionnel, parce qu'il y a des sociologues comme Dubé qui nous ont dit, qui nous disent qu'en fait, c'est la fin des institutions. À partir du moment où on pense que ça se passe chez la personne, ben, la crise de légitimité, elle est réelle dans les institutions. Et puis là, on parle de toutes les institutions, syndicales, patronales, publiques, privées, parce que l'institution institue des comportements, l'institution institue la société. À partir du moment où vous la pensez comme le free rider, c'est-à-dire celui qui se comporte comme le libre penseur, ben on a un certain nombre de problèmes. Puis il y a le problème de la gouvernance, parce que j'ai besoin d'épiloguer là-dessus longtemps, pour dire qu'en fait, on est davantage géré que gouverné. Et là, on va revenir sur un certain nombre de distinctions. Gérer, c'est contraindre, orienter les comportements. Gouverner, c'est réfléchir les comportements. Mais quand on gère, on n'est pas dans le dialogue, on n'est pas dans l'ouverture. On est dans la ligne. Et c'est sans doute une des principales difficultés qu'on a dans les milieux de travail. Mais ça, on pourrait y revenir dans une autre conférence. Donc, tout ça, c'est intéressant en fait pour l'éthicien, mais ça répond à un défi. Parce qu'il y a des difficultés épistémologiques et sociologiques pour se doter d'un cadre théorique nous permettant de produire une analyse et une intervention, tout en conciliant les enjeux théoriques et pratiques de l'éthique. Parce que là, on a un problème conceptuel. Comment on répond à ce problème démocratique sur le plan éthique? Comment on se donne un cadre conceptuel capable de nous donner des outils pour pouvoir réfléchir et intervenir? Donc, essayer de concilier analyse et intervention. Il y a des difficultés qui sont sous-jacentes à la question éthique. Parce que la question éthique, elle va se rencontrer à cet égard plusieurs difficultés pour répondre aux problèmes démocratiques. La première difficulté, c'est d'envisager de vivre ensemble de manière globale. Bien, ça tend à minimiser l'importance des conflits spécifiques, ça c'est si je la pense d'en haut, et vice versa, si je la pense d'en bas, on l'a vu hier, certains l'ont évoqué, à force de trop vouloir travailler avec les personnes, on oublie qu'ils sont dans les institutions. Et à force de vouloir trop travailler avec les institutions, on oublie qu'il y a des personnes.
Alors, comment on fait pour réconcilier ces deux pôles? Ça pose aussi la difficulté que l'individu n'existe que d'un point de vue physique. Je sais que moi, j'existe physiquement, mais mon individualité, c'est un processus. Hein, c'est toujours le fameux exemple bateau A, bateau B, la photo à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, ou à 20 ans. Est-ce que c'est la même personne qui parle? On va tous s'entendre rapidement pour dire que oui, c'est la même personne, mais en même temps, être conscient que cette personne-là existe dans un moment bien précis. Donc, c'est un processus d'individualité. Donc, ça nous oblige à essayer de penser dans un processus. Les individus, les institutions qui les lient doivent être d'importance équivalente parce que la société se compose d'individus qui sont régulés par des institutions. Donc, il faut penser à la fois les institutions et les personnes. Puis, le philosophe et le scientifique, malheureusement, ils vivent dans un monde peuplé de leurs propres concepts. Ils résolvent les problèmes en montrant le rapport des idées entre elles, au lieu d'aider les êtres humains à résoudre concrètement des problèmes en leur fournissant des hypothèses à utiliser et à mettre à l'épreuve dans des projets de réforme. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un philosophe que de participer à des congrès, à des workshops et tout le reste. Puis après ça, il y a toujours un choc de la réalité. Quand tu te retrouves devant une bonne bière avec un colloque, puis tu dis « Wow, on vient de voler haut, là, mais il me semble que ce que je viens de conceptualiser, ça ne correspond à rien dans la vie réelle. » Puis on est prisonnier de nos idées, puis on est incapable de les faire atterrir. Alors, puis tous les jeux, en fait, moi je parle des philosophes, mais je pourrais parler à peu près de... On ouvre une guillemets, on est fini en plus. Je voudrais parler de bien des disciplines universitaires où on finit par se complaire dans nos discours hermétiques. Alors, l'intérêt d'un universitaire, me semble-t-il, c'est pas de fuir l'hermétisme, c'est de s'assurer que l'hermétisme serve à quelque chose. Alors, dans cette perspective-là, il faut revenir à quelque chose d'autre. Donc, on peut, face à ces difficultés-là, on peut essayer de se dire, oui, mais comment on peut définir l'éthique? Alors, on va se proposer une définition mélioriste de l'éthique. La philosophie est née d'une tentative pour trouver une alternative éclairée aux principes de vie et de conduite qui avaient été la coutume et l'intuition aveugle. C'est moi qui parle, c'est John Dewey. Le même besoin d'intelligence continue de se faire sentir car la tentative originelle n'a pas tout à fait réussi. Alors, je fais quoi avec ça? Est-ce que je continue à parler de concepts pour essayer d'emprisonner une réalité qui ne cesse de se recomposer sous mes yeux? Ou est-ce que je relève le défi premier de la philosophie, il y a de cela plusieurs siècles et millénaires, pour essayer de réfléchir ma société actuellement? Donc, dans cette perspective-là, il faut que je me donne une définition d'éthique qui, à défaut d'être nickel sur le plan historique, me permette d'intervenir et de réfléchir ma société actuelle. Alors, osons une définition. L'exigence mélioriste d'une réforme politique et sociale continue faisant de l'éthique un réformisme social et une question relative aux enjeux axiologiques et normatifs qui ont trait à la vie en société. Ça, ça inclut l'espace privé, l'espace public, comme des intervenants l'évoquaient hier, tout autant que les personnes et les institutions. Là, encore une fois, vous allez me dire, c'est l'auberge espagnole. Si on regarde au centre, s'il y a quelque chose au centre de la définition qui peut nous aider à avancer, c'est les enjeux axiologiques et normatifs. Alors ça, c'est notre noyau à cet égard-là. Mais à partir du moment où on réfléchit et on s'est posé souvent la question, c'est quoi la place d'intervenant éthique, c'est quoi la place du discours éthique? À partir du moment où vous amenez les gens à réfléchir, vous ne les mettez pas dans une posture révolutionnaire, mais vous les mettez dans une posture réformiste. Et ça, c'est intéressant, parce que là, il y a du bruit qui apparaît là, mais au début du 20e siècle, il y avait Karl Popper qui était un peu dans la même idée. Il y avait un ensemble de philosophes qui étaient un peu dans la même idée, savoir comment tu peux réfléchir la société et la réformer. Je fais juste une petite parenthèse. Hier, je vois Martin, on le voit là, c'est toujours la blague que je fais, excusez-moi ceux qui m'entendent souvent me répéter, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Encore une fois, pas pour raconter ma vie, mais juste pour la saisir. J'ai travaillé de nombreuses années avec les policiers, même si c'était par la porte en arrière, ou peu importe, souvent dans l'enquête simili. Moi, j'ai toujours été sidéré par le grand professionnalisme des policiers, leur qualité d'intervention. Sauf que j'ai une bande de révolutionnaires à la maison, qui sont de toutes les manifestations, qui étaient de tous les carrés rouges, et la remettent en question continuellement. Donc, me faire traiter de facho à la table le soir, c'est fréquent. Mais j'essaie toujours de leur expliquer avec leur gang d'amis qui viennent à la maison, essayer de réfléchir. Là, la question qu'on n'a pas encore résolue, puis sans doute vous autres non plus, vous ne résoudrez pas ce matin, comment change ça une société? De l'intérieur ou de l'extérieur? Puis moi, je leur dis toujours, là, quand on discute, ils me font une mission, ils me disent, ouais, là, tu veux qu'on rentre dans le vent, qu'on arrête de manifester? Je dis, non, surtout pas.
descendez dans la rue tout le temps, vous êtes essentiel. Ça oblige les policiers à réfléchir leur action. Ça oblige les policiers à l'ajuster leur... Mais arrêtez de me traiter de facho parce que je travaille avec eux autres. Parce qu'on a besoin de vous autres pour mettre une pression à l'extérieur. On a besoin de traficoteux comme moi pour travailler avec eux autres de l'intérieur aussi pour réfléchir à des institutions. Donc, en fait, la question, c'est sur l'intérieur ou l'extérieur qu'on change quelque chose. Pour moi, c'est une fausse question dans la mesure où on se place dans un réformisme social, où on réfléchit notre société. Et c'est ça la définition qui est sur la table, et c'est ça la définition qu'une perspective pragmatiste peut nous donner. Alors, c'est quoi ce fameux pragmatisme, parce qu'on utilise beaucoup, et avec quoi on s'en va, qu'est-ce qu'on traficote autour de ça? Est-ce que, d'abord, le pragmatisme, c'est une philosophie? Bon, moi, je pense que oui, mais soyons modestes, posons-la comme une méthodologie, tout autant qu'une philosophie, en ce sens que le pragmatisme est une proposition conceptuelle qui s'inscrit dans le monde vécu pour le penser et se perçoit comme un outil d'interprétation et de conceptualisation, plus que comme une grille de lecture, bien qu'on n'est jamais très loin de la grille de lecture, plus que comme une idéologie ou un quelconque a priori conceptuel. Dans cette perspective-là, le pragmatisme comme méthodologie d'enquête, parce qu'on va évoluer autour de ça, c'est une démarche, c'est essentiellement une posture intellectuelle. Alors, c'est pour ça que quand Alison hier évoquait à savoir où est-ce qu'on a besoin d'un ancrage dissimulable d'une posture, je comprends bien ce qu'elle veut nous dire, moi je lui répondrais que la discipline qui nous permet d'avoir un ancrage correct et de développer une bonne posture, c'est la philosophie dans la mesure où on le décline dans une perspective pragmatiste. Alors, c'est un peu une réponse qu'on pourrait lui faire. On pourrait sans doute avoir un beau débat en entendant tout sauter. En ce sens, le pragmatisme est une praxis sociale. Puis là, encore là, on revient à ce que Georges mettait sur la table hier. Il faisait le débat par praxiologie. Ils ont pensé un doctorat en intervention et de cela de nombreuses années. Bien, quand tu pensais à un doctorat en intervention, c'était avec des chercheurs qui développaient des approches praxiologiques, si je ne m'abuse. Hein? Et la praxiologie, peu importe comment on va la décliner, puis peu importe, parce que je suis un peu allé voir aussi du côté de ces auteurs-là que j'ai un peu fréquenté, peu importe qu'ils se réclament du pragmatisme ou non, l'arrière-fond conceptuel, il est là aussi. Voici, même mon ami Georges vient de nous dire. Alors, dans cette perspective-là, on est dans une logique de pragmatisme. En ce sens, le pragmatisme dans une praxis sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'inscris la réflexion au cœur de la cité. Ça veut dire que l'intellectuel, parce qu'on pourrait avoir un autre débat sur le rôle de l'intellectuel, l'intellectuel cesse de se penser comme le phare, hein, devant tout le monde, puis suivez-moi, je m'en vais quelque part, pour se penser plus modestement comme un accompagnateur, comme quelqu'un qui questionne, comme quelqu'un qui aide à clarifier des enjeux sans se substituer au peuple dans une démocratie d'expert pour indiquer les enjeux. Encore là, on est dans une perspective d'ouverture. Alors, en ce sens, le sens de praxis sociale qui s'inquiète quoi? Là, il y a 8 trucs que j'ai mis sur la table, on pourrait l'ouvrir. J'essaie de le dérouler tranquillement. Ça implique d'avoir un pluralisme méthodologique. On a besoin de mobiliser une herméneutique. On a besoin de mobiliser des outils sociaux. On a écrit un livre avec Luc et Alison sur la formation en éthique, dans une perspective pragmatiste. Je ne veux pas parler pour Luc et Alison. Pour ma part, je suis allé revisiter toute la littérature en pédagogie. Je pense que Luc a fait pas mal la même chose. Dans les dernières années, on travaille beaucoup ensemble. J'ai plus lu de sociologues, de spécialistes du management que de philosophes à Google. Parce que j'ai besoin de ces auteurs-là et ces spécialistes-là pour pouvoir réfléchir. Mais il ne faut jamais que je perde de vue, moi. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Donc, un pluralisme méthodologique, pas un bricolage méthodologique. Ça aussi, c'est important. Parce que c'est justement le danger que Georges évoquait hier. À défaut de. Parce qu'on s'est souvent dit, ah, la foi ne peut pas répondre, donc on bricole. Puis l'éthique appliquée a souffert de ça, de tous ces bricolages rocambolesques sur le terrain qui n'avaient aucune assise conceptuelle. Il faut se donner cette assise conceptuelle. Donc une enquête, ensuite, qui se décline comme un continuum interprétatif, une expérience qui se conçoit tout autant comme une méthodologie expérimentale, comme un engagement dans la société. Sauf qu'il faut aussi, là c'est un autre défi, parce que Georges l'a évoqué aussi hier, raison pratique. Il faut remplacer, là on pourrait ouvrir les guillemets, ce qu'on appelle la raison par l'intelligence. Bon, c'est une proposition, c'est pas moi qui la mets sur la table, je cite Dewey. Je vois bien ce qu'il y a derrière la tête, notre ami Dewey.
Mais au fond, qu'est-ce qu'il dit derrière cette raison? C'est une raison, c'est un formatage. On pourrait encore là faire beaucoup de pouces là-dessus. Une raison, c'est un formatage, c'est une logique qu'on met sur la table, sur la table. Et ce qu'on pourrait proposer, c'est plutôt de mettre une logique sur la table. Soyons intelligents. Soyons ouverts à la possibilité de repenser avec notre table et notre monde autour une nouvelle logique à chaque fois. Un nouveau langage, nous aurait dit notre ami Georges. Alors, dans cette perspective-là, il y a des défis. Il faut refuser de réfléchir de manière binaire. Les dualismes nourrissent la réflexion pour réfléchir sur un continuum. C'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est souvent des zones grises. En éthique, on est tout le temps dans le gris. Certains diront qu'on est quatre à cause de ça, mais c'est gris. Alors, il faut aborder l'éthique sur le même pied que la réflexion scientifique. Là, il faut faire attention. Sans subordonner, ça c'est une posture bien personnelle, sans subordonner ou sans prétendre subordonner l'éthique à la science. Je pense pas qu'on va pouvoir avoir une science de l'éthique. Mais je pense qu'on peut avoir une démarche aussi rigoureuse en éthique qu'en science, dans la mesure où on reprend les mêmes a priori dans les deux trucs. Ah, je comprends. Alors, oui, je sais. Je vais essayer de couper encore un peu plus. Bref, rapidement. Alors, dans cette perspective-là, on voit l'idée. Ce qu'on est en train de mettre comme table, il faut donc aborder l'éthique pour m'impliquer la science et accepter que notre quête de sens et de justification soit sans fin. Et ça, c'est sans doute ce qui est le plus difficile pour en fait, les étudiants, parce que j'ai un peu pris la relève de Georges dans le fameux cours d'introduction à l'éthique dans le TA 700, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à donner ce cours-là, et j'ai toujours aux étudiants, plusieurs d'entre vous m'avaient entendu le dire, là, moi, je suis là pour vous déconstruire, faire tomber vos a priori. Vous insécuriser, vous torturer d'une certaine manière. Puis mes collègues vont vous construire. Ils vont faire pire. Vous avez vu, hier, je suis chirurgical, il y en a d'autres qui vont être dans la psychologie ou des trucs comme ça. Alors, dans cette perspective-là, il faut accepter d'être insécurisé. Et ça, c'est peut-être la plus grande des difficultés quand on commence une démarche en éthique, parce qu'on vient chercher des réponses, qu'on y trouve des questions. Ça ne veut pas dire que les questions sont inutiles. Les questions devraient aider à nous reformuler correctement les réponses par la suite. Donc, encore une fois, l'intérêt du pragmatisme. On va remettre en question, on va remettre au centre du débat démocratique la créativité sociale et individuelle. Il n'y a pas de réponse tout de suite. Bon, en fait, là, on pourrait. Je vais pas parler de mots sans vraiment les expliquer. Quand on est créatif, ce n'est pas juste qu'on s'improvise. Il y a des auteurs, un joueur et d'autres. Qui ont développé ce concept de créativité en matière de réflexion. Il faut remettre au sens du débat social la réflexion scientifique et éthique. Ce n'est pas des discussions de spécialistes. Rien de pire, à mon sens, de se mettre dans une posture où la population est trop imbécile pour comprendre. No way, on comprend le client. Mettez-le sur la table, on va discuter. Vous n'aimerez peut-être pas la réponse que vous allez entendre, mais on est capable de comprendre les citoyens. Et dans cette perspective-là, il faut le ramener au cœur du débat démocratique. Le pragmatisme nous permet ce genre de démarche-là, de baliser, de réfléchir. Il faut remettre au centre du débat social l'intelligence pratique des situations. Ce que Georges disait hier, c'est très intéressant. Ce qui fait problème, c'est notre capacité d'organiser notre réflexion de manière structurée pour la réfléchir et prendre une décision. Pas pour rien qu'il a construit sa fameuse grille. L'idée de la grille, ça ne donne pas des réponses. Ça nous valide. Encore une fois, on enseigne beaucoup la grille de Georges dans nos programmes. Moi, je dis toujours aux gens, il faut que vous l'appreniez pour ensuite vous en écarter. Parce que vous allez avoir compris l'espèce de formatage qui va être mis là. Vous allez avoir compris les étapes. Puis ensuite, c'est sûr que chaque situation va commander la création, l'orientation, l'ajustement d'une grille à partir de celle-là ou d'une autre, mais de mise en place, donc la mise en place d'un raisonnement. Donc, l'intérêt du pragmatisme pour l'éthique, c'est de lui attribuer un rôle social et de l'incarner, ce rôle-là. C'est être une pensée en mouvement, de se situer au cœur de la praxis sociale et d'en faire une propédeutique à l'espace citoyen. Les défis, c'est de refuser de se laisser figer. Se dire pragmatisme, ça ne veut rien dire. Encore faut-il être capable de définir ce qu'on entend par ça. D'où l'interpellation de nos étudiants, de nous dire arrêtez de nous en parler et dites-nous ce que c'est. Accepter le débat philosophique afin d'éviter de se laisser enfermer dans un faux pluralisme. Comme philosophe, même si je viens de dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec les philosophes, il faut accepter ce débat philosophique et à se faire ramasser. Rester une enquête ancrée dans le monde vécu réel, c'est peut-être le plus grand défi. Dès qu'un programme de recherche, on va y revenir en 2-3 secondes, un programme de recherche s'installe dans le cursus universitaire, ça implique
que tu peux rester emprisonné dans ce cursus-là. S'incarner dans l'esprit démocratique, celui de la confrontation des idées, comme le signait Karl Popper. Avant-dernière diapo, et en se laissant penser sur le mode de l'enquête, un programme de recherche qui doit se laisser penser sur le mode de l'enquête et d'ouverture. Donc, un programme de recherche sur le social. Une méthode d'enquête. Je n'enquête pas sur le social de n'importe quand, n'importe comment. Hier soir, bon, disons, il y avait un petit 5 à 7 d'étudiants. Il y avait une étudiante de mes étudiants de doc qui travaille avec Alison et moi, à Caroline Renaud, je ne sais pas si elle est dans la salle, qui disait en fait c'est intéressant de travailler avec André et Alison parce que quand j'arrive dans les problèmes méthodologiques, André s'éteint. Puis le sociologue, la sexologue parle, parce qu'elle est aussi sociologue. Ce que je veux dire par là, c'est que les sociologues ont beaucoup à apprendre aux philosophes sur le plan méthodologique. Ça, c'est intéressant de voir ces parcelles-là qui peuvent se faire. En fait, cette enquête devient une manière de participer à la vie démocratique tout autant que de concevoir cette vie démocratique. Posant le pragmatisme comme un mode d'intervention dans le social, comme une manière de questionner la démocratie. Alors, on peut, et je termine avec cette diapo-là, revisiter notre début. C'est quoi? Reformuler la question éthique. Allons du pragmatisme permet ainsi de proposer une réponse, en fait, de proposer, de développer au niveau d'éthique citoyenne, civiste, au niveau professionnel, avec des professionnels en exercice, au niveau institutionnel, de faire des interventions institutionnelles et réfléchir, tout autant au niveau de la gouvernance. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit les bases communautaires par ce plan méthodologique. On voit ces quatre secteurs-là comme autant de lieux d'enquête sur le monde et d'intervention pour le modifier. En ce sens, c'est pour ces raisons, je crois, que nous pouvons dire que l'éthique soumise à une telle lecture ne peut être qu'une nouvelle forme d'éthique citoyenne et de théorie critique. Et s'il permet que je lance à mes collègues qui vont prendre la parole maintenant, nous convaincre que vous allez pouvoir nourrir avec nous ce programme de recherche. Merci.